Salut Internet. Il y a 7 ans, je sortais une de mes vidéos préférées de la chaîne, 7 cultes et sectes très étranges. Préférée car à l'époque, elle m'avait fait découvrir des sectes si what the fuck que je n'imaginais même pas. Dernièrement, je me suis demandé si ça valait le coup de faire un épisode 2. J'ai fait 2-3 recherches et oui, clairement, ça vaut le coup. Par contre, j'anticipe, évidemment, je vais pas reparler des mêmes que l'épisode 1, je vous le mets en description hein, si vous voulez le voir. Et puis, je vais pas parler non plus des sectes trop connues. Rajneeshpuram a un docu Netflix dédié en ce moment, Chris de Poisson Fécond a déjà parlé de Aum Shinrikyo, une secte japonaise, ainsi que du mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu, un culte ougandais bien hardcore. Nous, on a déjà abordé ici le temple du peuple et le suicide collectif de plus de 900 fidèles au Guyana, mais vous inquiétez pas, vous allez voir, les 7 que je vous ai trouvés sont peu connues, parfois effrayantes, parfois juste... What the fuck? Vous allez kiffer, c'est parti. On commence très fort avec une secte mexicaine. Si par hasard vous vous trouvez un jour dans la ville de Matamoros, à la frontière avec les États-Unis, allez faire un petit tour dans la calle Bougambilias au nord de la ville. Là, parmi toutes les maisons cossues, une grande villa, abandonnée depuis des années. C'est en partie là que les horreurs de los narcosatanicos ont eu lieu. Le leader, le gourou de cette secte, était Adolfo Constanzo, un américain de parents cubains dont la vie a oscillé entre Miami, Mexico et Matamoros. Très jeune déjà, il baigne dans le Palo Mayombe, une religion pratiquée à Cuba, sa mère en étant elle-même adepte. Au milieu des années 80, il se fait un nom dans le monde du crime en étant un tireur de cartes très charismatique. Et puis, progressivement, il recrute des fidèles et devient le leader d'un culte assez opaque. Il participe au trafic de drogue et n'hésite pas à kidnapper ses concurrents pour les torturer et les sacrifier. Ah ouais, non mais je vous avais dit qu'on commence fort. Le plus fou étant que toute sa clique était ok avec les différents rituels à effectuer. Parmi eux, il y avait à la fois des policiers, des dealers ou même des magistrats. Et puis le but de ses sacrifices était de s'emparer pour l'éternité de l'âme des victimes. Pour ça, Adolfo concoctait des breuvages magiques permettant aux fidèles de se délecter de toute la puissance vitale des victimes. Vous le sentez venir, on parle bien de soupe d'organes, de crânes retrouvés dans des chaudrons avec d'autres ingrédients. Bon appétit d'ailleurs. La partie drôle de l'histoire étant la fin. La police est tombée complètement par hasard sur la secte. Alors qu'un touriste américain, Mark Kilroy, avait disparu, ils arrêtèrent, lors d'un simple contrôle routier, un fidèle armé. Et puis en détention, il avoue tout sur la secte. Quand les enquêteurs débarquent au petit ranch Santa Elena, paumé dans la campagne, ils déterrent plus de 15 cadavres. Ils trouvent un chaudron contenant un crâne humain, une tortue, des cigarettes, une machette. Le bon rituel. Constanzo s'enfuit et lorsque les policiers entourent l'appartement où il se planque avec des complices, ils forcent l'un d'entre eux à le tuer. Encore une fois, je vous l'avais dit, ce n'est que le début de la vidéo. Je vous présente Han Ming Chen, un professeur de sciences sociales taïwanais qui enseignait notamment ce qu'on appelle les trois principes du peuple. Je vais pas rentrer dans les détails, en gros, les trois principes du peuple, c'est une philosophie politique. Voilà, en vrai, on s'en fout pour l'histoire, hein. Vous avez qu'à dire qu'il était prof de PS. Enfin, prof, jusqu'à ce qu'il parte dans des délires assez extrêmes. En 1992, il prétend avoir reçu un call de Dieu qui lui dit d'être un petit peu plus spirituel. Alors il lit tout ce qu'il peut trouver, des textes bouddhistes, le Nouveau, le Vieux Testament, la littérature taoïste. Ensuite, il rejoint un culte, mais s'insurge quand il voit la tunasse que son gourou se fait sur son dos. Il se barre alors avec d'autres élèves pour créer son propre culte. L'Association pour la Résurgence de la Lumière de l'Âme. Ça promet, professeur Chen. Et je blague pas, c'était vraiment son surnom. Dès 1995, il met dans la tête de ses fidèles que l'Amérique du Nord est la terre pure de Dieu. Début 97, il arrive à convaincre 25 d'entre eux de le suivre en banlieue nord de Los Angeles, où il crée l'Église du Salut de Dieu. Finalement, vous savez quoi, c'est pas la Californie, mais le Texas qu'il pense être le lieu de Dieu. Et plus précisément, la ville de Garland, en banlieue de Dallas. Parce que ça sonne un petit peu comme Godland, c'est la vraie raison avancée. Il y achète une maison, et tout au long de l'année, de nouveaux Taïwanais les rejoignent donc au Texas. Bon, et c'est là que vraiment ça part en cacahuète. Déjà, il prétend que la réincarnation de Jésus est un homme de 28 ans, qui ressemble à Abraham Lincoln, et qu'il devrait se trouver dans la région de Vancouver, au Canada. Spoiler, ils l'ont jamais trouvé. Plus tard, il a
annonce que le 25 mars 1998, à minuit une très précisément, Dieu apparaîtra sur tous les postes de télévision des États-Unis, même si ton poste est éteint, pour annoncer qu'il descendrait sur Terre 6 jours plus tard, tenez-vous bien, devant la maison de Shen, à Garland, en sortant d'une soucoupe volante. Ah non mais je vous ai dit, c'est un délire. Ses fidèles ont toujours un chapeau de cow-boy. Shen, lui, il a une bague qui lui permet de discuter avec l'au-delà. Et puis évidemment, l'univers a en fait plus de 4500 milliards d'années et pas 13,8. Le système solaire, il a été créé par une giga-guerre nucléaire, évidemment. Ai-je vraiment besoin de préciser que personne n'est apparu au milieu de Touche pas à mon poste et qu'aucune soucoupe volante n'est venue déposer Dieu à Garland? L'affaire, en tout cas, a été énormément suivie par plein de médias du monde entier qui craignaient notamment un nouveau suicide collectif. Mais non, la majorité des 150 fidèles sont juste rentrés, désabusés et ruinés à Taïwan. Quelques dizaines d'entre eux seulement sont restés avec Chen et sont partis suivre un autre délire dans l'état de New York. Et depuis, eh ben plus de nouvelles. Bonne nouvelle du coup ? Vous connaissez les chiromanciens, ces gens qui disent pouvoir lire dans les lignes de votre main? Eh ben on va parler d'un truc similaire, mais avec les pieds. En 1987, Hogen Fukunaga, un ancien électricien, fonde un culte autour de sa personne et de ses dons divins, Honnohana. Au plus fort de sa secte, Fukunaga comptait plus de 100 000 fidèles qui buvaient ses paroles. Et en même temps, c'est normal pour un gars qui est à la fois la réincarnation de Jésus et de Bouddha. Et puis, sa spécialité était assez simple finalement. Pour lui, l'esprit de Dieu entre toujours par la tête et ressort par les pieds. Donc évidemment, en regardant tes pieds, ils pouvaient tout savoir de ton passé, de ton futur, tes problèmes de santé, tes problèmes familiaux, absolument tout. C'est quand même très pratique. Bon, par contre, c'est payant, c'est normal. Et c'est là que l'une des plus grosses escroqueries de l'histoire du Japon s'est lancée. Le bon Fukunaga te disait que ne pas se faire lire les pieds était un gros risque d'attraper un cancer. Donc tu allais le voir pour te faire lire les pieds. Et généralement, il te disait pas « Ah bah là, regarde, je vois dans ton orteil là, juste à côté de ton ongle incarné, que tout va bien, ta vie est super cool !» Non, évidemment qu'il te disait pas ça. Il te disait plus ah merde, ouais là ça pue hein, pas juste ton pied mais vraiment ta vie en général. Mais heureusement, j'ai la solution. Viens à mes séances de guérison à 5000 balles de l'heure et puis achète-moi aussi ce rouleau magique là à 30 000 $. Tu l'installes chez toi, t'auras aucun problème dans ta vie. Oui messieurs dames, des gens ont cru à tout ça. Beaucoup de gens. Au moment de son arrestation avec d'autres cadres du culte, les autorités ont estimé que le préjudice des victimes s'élevait à plus de 400 millions d'euros en même pas 10 ans. De loin, une des plus grosses escroqueries de l'histoire du pays. Avant de parler des Freedomites, il faut que je vous parle des Doukhobors. Les Doukhobors viennent à la base de Russie et sont une communauté chrétienne vraiment à part. Ils ne valident que quelques évangiles et c'est tout. Le reste de la Bible, le clergé et tout le tralala, pour eux, c'est du vent. Alors forcément, fin 19e, en Russie, ça passe assez mal et ils se font persécuter par les autorités. Beaucoup d'entre eux émigrent alors en Géorgie ou au Canada. Là-bas, pareil, ils veulent vivre à leur façon, sans trop s'intégrer, sans envoyer leurs enfants à l'école. À côté de ça, ils sont de grands pacifistes, défenseurs de la nature. Le problème, c'est que les fameux Freedomites sont la branche extrémiste des Doukhobors. Freedomites, il y a Freedom dedans, plus tard ils seront même appelés les enfants de la liberté. Et quand les Doukhobors sont pacifistes, les Freedomites ont des idées et des méthodes plus intenses. Ils n'hésitent pas à défiler tout nu, parce que la peau, création de Dieu, est bien plus pure que les vêtements, création des humains. Et puis le concept de propriété foncière est jamais de la vie. Envoyez nos enfants à l'école, mais vous êtes malade ou quoi? Certains des plus extrêmes refusent même l'utilisation d'animaux à la ferme et font tous leurs travaux à la main. Entre les années 20 et les années 60, les Freedomites n'hésitent pas à foutre le feu et à installer des bombes partout. Les écoles, on n'en veut pas, on les fait exploser. Nos propres maisons, on n'en a pas besoin les gars, on n'est pas des matérialistes, on les brûle. Les maisons de nos voisins Doukhobors trop modérés, tant pis pour eux, on les crame. Dans les années 30, le gouvernement canadien a mis en prison, sur une petite île pas loin de Vancouver, des centaines d'adultes et a placé des centaines d'enfants. Et puis rebelote dans les années 50. De nos jours, il y a encore une grande communauté de Doukhobors dans le monde. En Azerbaïdjan, en Géorgie, en Russie, en Ukraine et évidemment au Canada. Beaucoup vivent encore dans le village de Krestova qui leur avait été fourni par le gouvernement. J'ai fouillé un petit peu, je suis tombé sur la liste des personnes enterrées au cimetière et c'est fou comment tu peux voir l'histoire d'une communauté à travers son cimetière. Les noms qui sonnent très russes, les dates qui montrent que des familles entières sont passées par là. Dites-moi là, pour les Québécois qui me regardent, vous connaissiez vous les Doukhobors, les Freedomites? Est-ce que c'est quelque chose d'assez connu là-bas?
La science heureuse, Happy Science. C'est pas trop cool, franchement, comme nom de culte. Il a été fondé en octobre 86, au Japon, décidément, par Ryuo Okawa, Maître Okawa. Et vous allez voir, ça sonne hyper bienveillant. Il prône l'amour de soi, du prochain, la recherche d'une sagesse et d'une réflexion intérieure pour la paix sur Terre. Et puis, à côté, il pense que la Chine et la Corée du Nord vont pas tarder à envahir le Japon, qu'il faut donc renforcer la dissuasion nucléaire. Ils accusent aussi les Chinois d'être les grands responsables de la pandémie, car ils auraient des centaines de versions du Covid qu'ils diffuseraient sciemment dans le monde. Et évidemment, ils ont des croyances vraiment perchées. Okawa, il prétend qu'il y a 600 millions d'années, une civilisation humanoïde d'anges vivait en harmonie sur Vénus. Et puis, il y a eu un volcan, la planète est devenue inhabitable, donc leur dieu, El Miore, s'est dirigé vers la Terre, s'est rebaptisé El Cantare, et y a recréé une vie, la nôtre. On est donc sur Terre depuis 600 millions d'années, grâce à El Cantore, le chanteur. Dans l'histoire, ensuite, pour recadrer un petit peu les humains qui ont oublié leur lien avec le monde spirituel, il est descendu deux fois dans un corps physique. Déjà, il y a 330 millions d'années, il se faisait alors appeler Alpha, et puis il y a 150 millions d'années, il est revenu sous le nom d'Elohim cette fois-ci, le même Elohim que dans la Bible. Et vous allez me dire, mais attends, comment il sait tout ça, là, le bon maître Okawa? Mais parce qu'il est lui-même la troisième incarnation terrienne d'El Cantare. C'est quand même hyper pratique. C'est pour ça qu'il a des dons de médium, des dons surnaturels, c'est comme ça qu'il a pu lire plus de 100 000 livres dans sa vie, qu'il a pu faire des enquêtes spirituelles avec des esprits supérieurs et des êtres spatiaux qui lui ont dit que oui, les responsables du Covid, ce sont les Chinois. Bref, ils ont des bureaux un petit peu partout dans le monde, ils ont masse de fidèles, masse de tunas, et j'ai regardé quelques vidéos de leur chaîne YouTube en français, celle du Covid par exemple, c'est infernal, comment c'est blindé de complotisme. Connaissez-vous la Nouvelle-Bretagne et la Nouvelle-Irlande? Il s'agit de deux îles appartenant à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Entre ces îles, un petit archipel, les îles du Duc d'York. Au sein de cet archipel, Cabacon, une île inhabitée de 2 km de long sur 500 mètres de large. Enfin, inhabitée de nos jours. Mais pas au début du siècle, au moment où l'île était sous contrôle allemand. À l'époque, August Engelhardt, un assistant pharmacien de Nuremberg, était un bon pacifiste. Végétalien, naturiste, il aimait la vie douce et la nature. Et il avait une utopie. Vivre nu tout le temps. Absolument tout le temps. Forcément, en Allemagne, c'est un petit peu compliqué. Il est donc parti tenter l'expérience sur la petite île de Cabacon à cultiver de la noix de coco en étant à poil toute la journée. Et ça tombe bien, parmi ses élucubrations, il était persuadé que la noix de coco était l'aliment de Dieu. Le plus saint des saints repas. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça pousse en plein soleil, et vraiment, vous allez voir, le soleil pour Auguste, c'est la base. Mais aussi parce que la coco, ça ressemble à un crâne, à une tête humaine. Ah mais c'est vrai, quel meilleur signe de Dieu voulez-vous pour comprendre que la coco, c'est la vie? Il est donc devenu cocovore. Un cocovore nu sur une île. Et attention, peu de cabane ou d'ombre. Puisque le soleil, c'est Dieu, il faut être un maximum sous ses rayons, à se purifier, tout ça. Son goal ultime était la création d'une colonie tropicale internationale de naturistes frugivores adorateurs du soleil. Et croyez-le ou non, il a eu des adeptes qui l'ont rejoint sur place et qui ont vécu là-bas. Quelques mois ou quelques années. Jusqu'à ce qu'il tombe malade ou clame directement sur place. En même temps, les gars, je suis pas certain qu'on puisse trouver tous les apports nutritionnels dans un seul fruit. De son côté, malgré ses multiples hospitalisations, Auguste est toujours retourné vivre dans son utopie et en est mort à tout juste 43 ans. Vous allez très vite comprendre pourquoi je termine par ce culte. Pour vous parler de la société Aetherius, au lieu de lire plein d'articles et de vous faire une synthèse, j'ai commencé par regarder une de leurs vidéos YouTube qui s'appelle « Une introduction à la société Aetherius ». On y découvre un jeune homme qui parle à un petit public visiblement et qui raconte l'histoire du truc. Tout ce que je m'apprête à vous dire vient de cette conférence. La société a été fondée en 1955 à Londres par ce monsieur, George King, qui vient d'une famille de voyants. Dès son enfance, il a des dons psychiques. Il peut soigner des gens, beaucoup trop cool le gamin. Il se lance ensuite dans le yoga et se baptise lui-même Master of Yoga. Et un jour, alors qu'il était en transe, il a reçu un message, une transmission, on peut dire, tout droit de Maître Cosmique. Le gars sort ça tranquille pendant sa conférence, personne ne réagit. Hein. Il explique ensuite que tout au long de sa vie, King a reçu plus de 600 messages de ses êtres supérieurs qui se sont servis de lui finalement comme un poste radio, comme un messager, pardon. Pour résumer un petit peu, années 50, essais atomiques, course à l'espace, les maîtres cosmiques estiment qu'il est temps de contacter les hommes pour élever leur conscience et les faire se rapprocher de Dieu. Le conférencier explique aussi que pour des raisons cosmiques, il n'était pas possible pour eux de se poser avec leur vaisseau et juste de discuter avec nous, d'où l'utilisation
canonisation d'un maître avancé du yoga qui a la capacité d'élever son niveau de conscience pour accorder ses vibrations intérieures à la bonne fréquence radio. Tu feras attention, Georges, 107.7, c'est pour le trafic autoroutier par contre, hein, ça n'a rien à voir. Ces êtres lui ont dit que chaque prophète de religion fut envoyé dans l'histoire pour illuminer l'espèce humaine à un moment donné. Jésus et Bouddha viennent donc naturellement de Vénus, Krishna de Saturne, et puis évidemment, c'est eux qui ont dit à Georges de créer la société Aetherius pour partager ses messages au plus grand nombre afin de soigner la race humaine, de l'illuminer, de balancer un petit peu notre karma, quoi. Enfin bref, je pourrais continuer des heures, mais je sais ce que vous voulez voir. George King, qui rentre en transe, en direct, à la télévision britannique, et qui se connecte, je sais pas trop comment, en 5G, à un être cosmique qui parle ensuite à travers lui. Non, vraiment, c'est un énorme moment de journalisme que le conférencier de tout à l'heure présente normal à des gens. Ça me rend fou à quel point des gens peuvent être embrigadés. Personne ne réagit dans la salle. Les gars, le mec s'est mis à un truc qu'on met dans les avions pour pas voir à la lumière, et il y a un extraterrestre qui lui parle de... Mais arrêtez, on est où là? Ah oui, et maintenant qu'il est mort, il semblerait en plus que George King soit lui-même un être cosmique, selon les fidèles qui sont encore plusieurs milliers dans le monde. Tenez, rien que pour vous, une photo de lui qui invoque de l'énergie spirituelle pour la stocker dans une batterie de pouvoir spirituel. Je pense qu'il est temps de s'arrêter là, hein. On va vraiment se casser le crâne si on continue. Mais pas d'inquiétude, si cette vidéo vous a plu, bonne nouvelle, il n'y a que 7 jours à attendre pour la prochaine. Et c'est pas un maître cosmique qui vous le dit. On se retrouve donc dimanche prochain, 17h17, et n'oubliez surtout pas en attendant d'élever un maximum vos vibrations spirituelles. On sait jamais qu'un mec de Saturne essaye de vous contacter. Salut Internet.